Plusieurs personnes me posent toujours la question, Miguel, quel est le bon moment pour commencer tout, pour commencer sa procédure? Je réponds à cette question dans cette vidéo. Salut à toi et bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Miguel Guéwa. Ici, je te montre comment tu peux toi-même, sans avoir besoin d'une tierce personne, constituer tes dossiers pour immigrer en Allemagne. Si tu es intéressé par la thématique des soins infirmiers en Allemagne, l'immigration en Allemagne, bref, tu t'intéresses à l'actualité en Allemagne, abonne-toi, clique sur toutes les notifications pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Et partage surtout la vidéo au maximum. Partage dans tes groupes, à tes amis, tout et tout. Parce que toutes mes vidéos ont du très très bon contenu comme celle-ci. Alors, quel est donc le bon moment pour lancer sa procédure? Nous tous on connaît que les rentrées en Allemagne pour la formation en soins infirmiers sont en avril, octobre et septembre. Maintenant, est-ce qu'il y a des moments particuliers pour lancer sa procédure? Je vous dirais tout simplement non. Je vous dirais tout simplement non. Le bon moment était il y a 10 ans. Le bon moment, c'est maintenant. Donc, dès lors même que tu as eu l'idée, commence déjà. Parce que même si les centres, ce n'est pas leur rentrée, ils te pourront pour la rentrée qui suit. Et de un, tu prends plutôt l'avance sur les autres. Donc, le bon moment pour lancer sa procédure, c'est où tu es. Comme tu m'écoutes là, c'est comme ça qu'après avoir fini cette vidéo, si tu n'as encore rien fait de concret en ce qui concerne ta procédure, tu dois lancer ta procédure toi-même. Je ne te parle pas d'aller voir Paul, d'aller voir Jean, d'aller appeler ton oncle. Non. Aujourd'hui, il y a des solutions qui te permettent, toi-même étant au Cameroun, au Togo, au Bénin, à Abidjan, bref, toi, grâce à ton téléphone, une connexion internet, de suivre toi-même ta procédure. Comme par exemple, notre programme qui te montre toute la procédure de A à Z et l'accompagnement. Donc, c'était le point que je tenais à clarifier à travers cette mini-vidéo. J'espère maintenant qu'il t'a été utile et que vraiment tu vas l'appliquer. Ne sois pas tout simplement dans la posture de quelqu'un qui dit c'est intéressant, c'est intéressant, c'est intéressant, et non. Sois dans la posture de quelqu'un qui applique. Je ne veux plus vous sentir. Non, appliquez. C'est avec ces, pour moi, c'est ça qui fait ma fierté. Appliquez. Appliquez, appliquez, appliquez. Les amis, peut-être vous ne réalisez pas l'urgence. Lorsque vous découvrez une stratégie comme la formation en soins infirmiers, d'y saisir rapidement. La formation en soins infirmiers a beaucoup d'avantages. J'en ai assisté plusieurs sur cette chaîne. Plusieurs. Combien coûte cette formation aux États-Unis? Et je tiens à vous rappeler qu'il y a encore quelques années, cette formation n'était que réservée aux Allemands. Parce qu'on connaît que la santé est le seul domaine dont quand tu fais en Europe, tu ne chômes pas. Nous tous on connaît cela. C'est le seul domaine. C'est le seul. Mais quand tu dis aux gens de saisir les opportunités, de les excuses telles que les coups de langue, vous avez vraiment vécu la souffrance pour parler de coups de langue? Vous avez vraiment connu les difficultés dans votre vie? Je me questionne. Je me questionne. Quand quelqu'un me dit les cours de langue et avec tous les avantages, on te montre un pays où tu vas fréquenter gratuitement, où on va te payer pendant que tu fréquentes le luxe que tu n'as jamais vu de toute ta vie. T'asseoir, tu as eu le baccalauréat, mais t'asseoir sur les cours de langue par un moment donné de ta vie pour te concentrer à saisir une opportunité comme celle-ci te dépasse. Alors que c'est toi qui as pu réussir le baccalauréat. C'est toi qui as pu réussir le probatoire. C'est toi qui as pu vaincre tous ces challenges pour certains jusqu'à la licence. Mais c'est toi qui penses qu'à cause de la langue, tu vas te laisser briser un rêve. Et très souvent, après, quand certains deviennent, deviennent conscients de l'opportunité, maintenant, le diable attaque le projet. Tu vas voir, son père va peut-être avoir une maladie, ce qu'il ne souhaite jamais à personne. Tu vas voir, bref, l'argent qu'on devait investir pour son projet va aller à autre chose. Donc, si vraiment vous avez écouté cette vidéo, je pense que c'est une grâce pour vous. Vraiment, le moment où tu dois lancer ta procédure, c'est maintenant. Si tu ne t'y connais pas, il y a le programme qui te montre toute ta procédure. Tu n'as plus d'excuses, tu n'as plus besoin des millions. Moi, je te donne les bases. Comment toi-même, tu peux te prendre en charge et évoluer. Partage donc cette vidéo si tu penses qu'elle peut aider quelqu'un, si elle peut booster quelqu'un. Lève-toi maintenant. Maintenant, maintenant, maintenant. Dis-moi en commentaire ce que tu en penses. Laisse-moi un like si la vidéo t'a plu. Et je te dis ciao.